Et bonjour et bonsoir et toutes amis, collaborateurs, familles, faisons la caille. Nous comptons retrouver chaque jour pour nous capables de présenter toute nouvelle, toute actualité qui a dominé le pays d'Haïti. C'est avec même fouglant, même engouement, même respect nous gagnons une pour l'autre, nous présenter devant vous pour nous capables de présenter un nouvel pays. Ou même qui en Haïti, sur tout le territoire national là, ou même qui trouve à l'étranger, Canada, Mexique, France, Brésil, Chili, Saint-Domingue, États-Unis, Maroc, n'importe qui côté ou sur nous dans moment ça, nous disons bienvenue et sous chaîne parole. Moment arrivé pour nous capables de présenter au journal PIA, nous pas présenter au titre journal de nouvelle édition, mais nous prendre tout droit dans le journal là pour capable informer sur tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. L'autre point en actualité, selon nos sources, nous capables de faire confiance sur le dossier arrestation sénateur Kedler Augustin. La police fait qu'on est joindre une machine sans plaque et yo pas capable de présenter papier pour machine ça. Monde qui t'a conduit machine là, pas de jambes, présenter pièce li pour identifier comme sénateur d'après une source dans la police là que nous t'ai contacté sa nouvelle, nous t'ai contacté. Source là fait nous connaître. Et c'est là, il était arrivé, donc les parlementaires étaient arrivés dans le commissariat, il dit la police, et les, c'est un sénateur, et puis la police n'a pas mal mené sénateur, contrairement avec déclaration, les faits qu'on est. Machine ça, qui c'est un Prado gris, qui a un girofra, et qui sans plaque, tu as une alerte, et tu as une alerte sur une machine comme ça. Et ça fait quelques temps, la police a cherché une machine qui, c'est un Prado gris, qui a un girofra et qui sans plaque tout, même gens avec machine, sénateur à tape qu'on dit. Une machine qui a des caractéristiques, ça, participé dans plus petit 7 cas enlèvement dans la commune et de Delma, et spécialement dans la zone puis bien à dans Catalpa. Donc la police t'a suivi une machine qui semblait qui des caractéristiques machine que sénateur lui-même l'était la donne. Sous nous la police là fait nous connaître plusieurs témoignages à ce dossier et c'est pas jodi hein et a suivi machine ça et qui a psychélé sans plaque. En plus, ils ont joué dans machine, ils ont Galil, qui c'est propriété police nationale. Donc, dans machine, ça, tu gagnes, ils ont Galil, qui c'est propriété police nationale. Sous Radio Kiskeya, dit-lui, la police te gagne bon genre détail pour être capable de mener une enquête, pour te vivre, faire lumière dans le dossier. Et ça arrive dans le moment qui a un pile qui a kidnapping, qui a fait dans la zone métropolitaine, surtout dans la commune d'Elma, dans la zone de société, qui s'est puiblé avec Catalpa. Donc, c'est sous nous, fouillé zone dans Kalalou, nous jouons une information, nous partager ensemble avec nous, les amis auditeurs qui ont suivi le journal là. Nous avons rappelé, après l'incident ça, qui passait jeudi après-midi, gagné et bureau Sénat qui sorti en note pour faire solidarité avec sénateur Kedler Augustin. Une note là qui dit la police était malmenée parlementaire, la police dit c'est pas vrai. Donc note là elle dit tout et parlementaire a été identifié pendant policier qui a mené opération ça et c'est policier qui était gain cagoule en tête qui était mené opération d'après note Sénat. Mais nous parler avec plusieurs monde sous dossier ça parmi eux-mêmes et directeur exécutif réseau national qui a défendu droit mounio RNDDH Pierre Espérance qui parlait justement sous dossier arrestation sénateur Kedler Augustin avec notre sénat voyé pour faire solidarité avec lui au lieu pour bureau tiré sénat ta mette notre ça d'ailleurs et militant droit mounio estimé l'état pi bon pour te annoncer il a metté campé yon commission pour faire lumière sur dossier cela d'après Saint-Pierre Espérance expliqué n'attendait yon parti dans déclaration directeur exécutif réseau national qui a défendu droit mon Pierre Espérance.
C'est vrai, l'administration américaine a supporté l'impunité à corruption et lundi a supporté le gouvernement qui n'agit dans l'impunité à corruption, un pouvoir qui a instrumentalisé et gangsterisé les pays. Ouais, mais dans le rapport du département d'État sous Haïti, le rapport que les voisins qui sortit dans ce même temps montrait que la situation de Mouna a été détériorée dans le pays. Que 45 policiers qui mourent et on parle toutes les questions de violence qui fait souffrance et augmenté et questions tout détention préventive prolongée, son rapport qui est accablant et empire. Mais c'est un rapport qui malgré tout qui reflétait et elle aime des mal de toi par rapport avec qui reflétait le réalité et en d'appuyer que ou une autorité qui va faire aucun effort pour renforcer l'institution et qui est en violation de droit. Malgré Jovenel Moïse annoncé diverses positions pour quoi payer sécurité, comment vous est-ce que vous résultat? Non, pas une amélioration dans la question de sécurité parce que bandio dans la démonstration à faire, chaque fois la police a fait intervention, ou que bandio pour créer au plus bien équipé, parce que la force que pas une amélioration dans la sécurité en d'appuyer. Par exemple, depuis fin d'année, j'ai beaucoup de jeunes qui ont dit que les gens ont augmenté et les gagné des officiels, des enfants et la police jouent des enfants forts et après qu'il est. Et puis, avec naturellement, et nous pensons, quel que soit la force publique, et maîtriser, parce qu'il n'y a pas de force que eux, mais il n'est pas normal pour tout le monde, au parlementaire, pour la machine, sans plaque, sans fond de foi. Il y a des problèmes sérieux. Je pense qu'il y a plus ça, si le Sénat est mis en commission d'enquête sous pied, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a un non-sénateur qui a été cité dans le kidnapping, dans le blanchiment, et l'argent et puis le Sénat ou le Parlement cautionne ça. Cependant, nous condamnons ça qui fait quel que soit l'air au fil et maîtriser mon nom, les pires au fil maîtriser, ils n'ont pas de droit maltraiter mon nom, ils n'ont pas de droit maltraiter quel que soit mon nom. Déclaration, c'est militant droit monde, directeur exécutif RNDDH, Pierre Espérance qui t'a parlé sous dossier arrestation sénateur Kedler Augustin, avec notre Sénat avoué pour faire solidarité avec lui. Et militant droit monde dit au lié pour bureau tirer Sénat a mettre notre ça d'ailleurs il t'a pi bon pour yoter annoncé il a formé en commission pour faire lumière sur dossier ça militant droit monde rappeler c'est pas première fois dans pays d'Haïti yo tendez non sénateur impliqué dans dossier kidnapping. Ancien député Kay Ilavache, Jean-David Genesté, fait qu'on est la justice t'a dû mener enquête pour qu'on ait qui ça qui passait, parce que dossier ça, mais capable, mais fait impact sur réputation parlement. Ancien député Jean-David Genesté, justement, qui était parlé dans le micro Beethoven sans François Fils, n'a pas invité nous suivre, il y a un extrait dans la déclaration. Kedler Augustin n'est pas un ami, mais c'est un personnage public. Il n'est pas capable jusqu'à présent d'avoir le bénéfice du doute par rapport à ce qui passé. Hein. Donc, je crois qu'il faut gagner d'investigations beaucoup plus profondes, beaucoup plus solides, et pour avoir une réponse par rapport à la situation. Hein. D'autant plus qu'on est un sénateur, qu'il n'a pas été le seul à pouvoir piloter la voiture. Donc, la police fait son travail, mais de notre côté, nous croyons qu'il faut la justice mettre l'embranle, parce que c'est la réputation de toute une institution qui est mise en danger, qui est mis sur la célèbre. Donc là, je crois qu'il faut que le véritable quête qui pour faire et bien pour eux, capable, comme d'abord dit, fixer les responsabilités. Déclaration ancien député Kay Ilavache, Jean-David Genesté, qui fait connaître la justice t'a dû mener enquête pour connaître qui ça qui était passé, et parce que de rappeler et gagner non parlementaire qui quand impliqué dans dossier kidnapping, lui dit c'est un dossier qui est capable de gagner un impact sur et sur réputation parlement, sur image parlement. L'autre point d'actualité à directeur général, ministère Santé publique et population, Dr. Lauré Adrien, annoncé test autorité MSPPO fait sur une citoyenne étrangère au parti qui nationalité. T'es entré en Haïti avec la fièvre, à grippe. Eh bien, le citoyen ça a été arrivé dans le pays. Il a récolté chaud, donc il était gagné la fièvre. Et il était grippé tout. Donc des signes qui semblaient avec maladie coronavirus là.
Donc c'était premier cas suspect qui était gagné dans le pays. Dans une conférence pour la presse hier au soir, responsable NSPP était bail dans résidence officielle premier ministre dans Bourdon, ben DG NSPP qui pas voulu bail non citoyen ça, il fait qu'on est premier cas suspect si là, TCB analyse dans laboratoire national épidémiologie côté résultat yo montré pas gagné aucune trace coronavirus sous citoyen ça. C'est même sujet, donc directeur général MSPP a mandé population pour lui rester tête froide, donc en pigali fait tête chaud, pas paniquer face à tout rime qui a circulé sous présence sans coronavirus dans le pays. On écoute une partie de la déclaration directeur général MSPP a docteur Laure Adrien Monico et Harvey Noël. La nouvelle du jour, si nous comprenons le constat, c'est pour nous annoncer que nous avons gagné effectivement premier cas suspect nous, qui c'est un ressortissant étrangère qui a vive en Haïti, mais qui a fait vacances dans le pays, côté que gagne un cas. Mais l'elle rentrée, lui-même, heureusement, comme son monde qui est bien vu, qui est bien éduqué, qui est bien informé de maladie, hein, l'été déjà mettait tête en auto-quarantaine, si je vous dis. Mais bonne nouvelle, là, c'est que nous faisons test pour lui, malgré l'elle vient commencer à gagner fièvre, il commence à présenter des signes de grippe. Nous faisons test pour lui et test négatif. Donc nous tiens à nous-mêmes pour tes premières informations, ça va à la presse. Pour l'un des rumeurs pour le courir, dit que tu es un malade suspect, tu es un cas suspect, il était dans tel hôpital, il fait test. Oui, effectivement, il y avait un cas suspect. Nous gagnons information il y a 24 heures environ, disons 48 heures, parce que le test a pris 24 heures pour nous donner un résultat. Et tout de suite que nous gagnons information, nous déclenchons le processus normal qui doit mettre en place dans le cas ça, fait prélèvement, nous voyons faire prélèvement côté LTE hein, et laboratoire national qui a une capacité pour le faire test, le fait test, le test révélé négatif. Nous avons un résultat cet après-midi et tout de suite que nous avons un résultat, nous décidons que c'est nous-mêmes qui portons l'information. D'attendez déclaration docteur Laure Adrien qui est directeur général ministère santé publique et population qui a annoncé test autorité MSPP ont fait sur un citoyen étranger qui était rentré en Haïti avec la fièvre et puis il était grippé, test négatif, donc citoyen ça, il n'a pas gagné coronavirus, c'est le premier cas suspect, il a été enregistré dans le pays, test la fête, et il a parlé vendredi, il dit, test la prend entre 24 à 48 heures pour le fête, qui donc entre mercredi et jeudi, n'a pas rappelé, et jeudi, et donc, moins que 24 temps avant, docteur Laure Adrien, te baille conférence ça, non, résidence officielle premier ministre dans Boudon gagné ministre santé publique et population docteur Marie Gritawa Clément qui t'a dit et n'a cité pas gagné aucun cas suspect, pas gagné aucun monde qui infecté dans pays d'Haïti, mais on va attendre 24 heures après, donc moi c'est passé un jour après directeur général même ministre ça pour le dire t'a gagné un cas suspect et c'était un et citoyenne qui était sorti à l'étranger qui a travaillé, en fait information que nous avons gagné sous et dossier cela c'est que c'est une citoyenne qui a travaillé dans une organisation internationale dans le pays d'Haïti qui occupait des affaires santé qui était allé la caille passer un petit temps dans un pays européen que nous pas citer mais que nous gagne information sous lui et dans pays ça a gagné un pile monde qui infecté avec maladie. Mais l'elle rentrée en Haïti, organisation que l'a travaille là dans Nantes et Mandel pour que l'irrité la cali et yote al fait test pour apprendre est-ce que l'y gagne coronavirus parce que l'été gagne la fièvre et l'été gagne grippe. Alors ces deux patients ça, justement, docteur Laure Adrien t'a parlé, il pas de vle c'était non, ni nationalité, mais nous-mêmes qui fouillons zone à Kalalou, nous gagne quelques détails, nous réservons nous le droit pour ne pas dire trop pensons dossier. C'est ça, mais c'est un dossier nous avons
suivre ça que nous voulons et signaler dans dossier si là c'est que docteur Laurent Adrien qui est directeur général ministère santé publique et population lui confirmé c'était premier cas suspect qui était gagné dans pays moins passé 24 temps après ministre santé publique et population te dit et n'a cité pas gagné aucun cas suspect dans pays d'Haïti sur question coronavirus là. Nous va attendre Kounia là déclaration sénateur Nenel Kassi qui a réagi sur décision président Jovenel Moïse te prend pour que lui te parle de coronavirus là sous question Jovenel Moïse décidé parler à population sur Facebook sur Mézi qui a pris contre pandémie coronavirus là lorsque majorité population pas gain téléphone intelligent et puis pas gain accès à internet sénateur Nenel Kassi déclaré Jovenel Moïse a copié c'est copié l'a copié sur l'autre nation pour faire comprendre la faire l'autre forme communication. D'après lui-même, le peuple haïtien est déjà pas de bail parole, chef l'État avec l'autre autorité important. C'est ça que fait citoyen préféré faire comique, passer message ça, non bêtise. Déclaration sénateur Nenel Kassi qui t'a parlé dans le micro Laurie Louis-Jeune. Débat le plus c'est viser question prévention et sur question coronavirus, sur ensemble des dispositions qui vous prend pour protéger population, sensibilisation. Et ça fait m'a dit, peuple haïtien, c'est mettre corps et corps. Et dans un moment, il connaît très bien et que pays a pas dirigé. Pas bien vraiment une équipe monde qui est responsable qui pour prendre des cadeaux et des mesures pour rassurer la population et dans ce sens-là, nous demandons chaque citoyen, nous demandons tout secteur, nous demandons toute organisation, toute institution, d'une façon ou d'une autre, pour porter contribution par eux, dans aider les Haïtiens à faire prévention et protéger eux et dans le cas de cadeaux pandémie. Ça. Mais à côté des questions, ça tout, il y a des dérives et que peut-être nous-mêmes n'ont pas voulu rentrer. Et une explication ou bien condamner des dérives par rapport à la déclaration de M. Jovenel. Et qui pour nous-mêmes n'a aucune importance parce que je dis à nous pas dans la question élection. Et qui pas gagné pandémie et coronavirus, hein? Nous pas après ce débat tout sur la question élection à Jovenel. Je crois que Jovenel qui gagne une équipe communication avec elle et que c'est des mondes qui madré, Jovenel connaît que nous-mêmes n'avons pas dans la question élection. Mais lui est lancé un débat pour nous rentrer là-dedans et pour nous faire semblant qu'il est entré dans l'élection. Mais nous-mêmes nous dit non seulement nous pas prêts opiner sur déclaration monsieur, mais nous pas prêts entrer tout dans le débat sur l'élection. Parce que le moment n'est pas approprié. Un, conjoncture politique là, pas permettre ça. Deux, question pandémie et coronavirus, ça, pas permettre nous ça. Et trois, nous connaissons tout, Jovenel pas gagné mandat et pas gagné confiance population, pas gagné crédit population pour l'engager pays à nos questions élections. Et nous-mêmes nous dit, c'est clair, et que nous-mêmes, depuis bon côté, on va parler des questions élections, nous-mêmes nous avons l'autre campagne, son campagne contre élection pour fondamentaux nous. Un, le départ de Jovenel. Deux, pour gagner conférence nationale souveraine. Trois, pour gagner procès Petro-Caribe. Quatre, jugement tout bourre massacre qui fait sous population. 5. Pour qu'on ensemble de mesures qui prend pour soulager souffrance population, sécuriser population, combattre kidnapping, combattre la misère, je prends des dispositions pour payer à gain une nouvelle constitution, 7. Organisation élection générale. Nous croyons c'est ça, yo, qui préoccupation nous, et c'est sous yo, nous-mêmes, nous gagnons pour ne pas la population, hein, et immédiatement, nous arrivons à contrôler la question coronavirus, hein, pour nous déclencher une mobilisation sur le pays, pour nous déboulonner Jovenel, et pour permettre que les peuples haïtiens et pays pour leur directive. Vous croyez que c'est ça qui préoccupation nous? Nous pas dans question et déclaration tête en bas, Jovenel a fait qui pas gagné fondement parce que Jovenel, pas un monde qui reconnaît lui comme chef d'État, pas un monde qui reconnaît lui comme président. Bienvenue dans la deuxième partie du journal. La police pas confirmé la mort trois mounes dans la nuit vendredi pour lever samedi dans le cadre d'opération Limene dans Gonaïve, contrairement à l'information qui a circulé sous dossier ça. C'est seulement des policiers qui blessés dans la nuit 13 pour lever 14 mars là dans le cadre d'opération ça, d'après la police, une opération qui menait dans Jubilé Caillon certain Robinson. La police dit, les saisies aux armes calibre 223, ont chargé qui était gagné 13 cartouches la donne. Dans l'autre part, porte-parole, police nationale, dans la Tibonite, inspecteur Maxime Preux, fait connaître la police menait plusieurs opérations pendant le commencement de l'année 2020.
li deklare nan kad yon operasyon yon menen mercredi 11 mars la, ajan PNH yo arite Eric Jeudi ak Paul Whistler pou komers ak konsomasyon prodwi ilegal. Inspekte Max Saint-Preux ki se potparol PNH la nan la Tibonite anonse, la polis arite Jeudi 12 mars la, 3 moun yon sispek nan asasinay Gabriel Jeff Stevens ki te mouri 26 février passé. Porte-parole la police nan Latibonite mande tout moun ka pou resevwa menace sou telefòn yo nan département pou yo rele numéro sa yo pou kapab pote plainte. Numéro yo c'est 43 02 41 81 38 22 44 44. Nan pou repran 43 02 41 81 et puis 38 22 44 44. En côté déclaration inspecteur Max Saint-Preux mon micro collaborateur nous Josué Jean-Baptiste qui s'est correspondant nous dans Gonaïve. 11 mars la justice dans Gonaïve, la police accompagnée de la justice qui a interpellé deux individus pour vente et consommation de stupéfiants. Monsieur ça répond au nom de Eric Jeudi et Paul Whistler. 13 mars Saint-Michel, qui a eu une remise volontaire, des armes à feu qui étaient faites, qui étaient au nombre de 6. Donc c'est citoyen le moins volontaire qui a fait geste ça. Même abdi non. Et geste ça, Michel Fea, il est venu au moment côté que la police renforçait présence en haut Saint-Michel avec des unités spécialisées. Bataille contre bandit 600 en l'air. Encore, dans quatre enquêtes qui ouvrent, parce que ma propre nous avons assassinat, nous avons jeune, on a eu qui ont été assassinés du côté de Passerelle en date du 26 février 2020. Donc jeune ça a lui répondre au nom de Gabriel Jeff Stevens, monsieur âgé de 25. Dans quatre enquêtes qui ouvrent sur le dossier ça, la police est appelée trois auteurs présumés à Baba ça, dans date 12 mars 2020. Monsieur ça a répondu au nom de Roberto Deris, Alquin d'Orville et Villa Dussel. La police a interpellé trois présumés assassins si Genza, qui est Stellens Jeff Gabriel, qui est âgé de 25 ans. Donc, si nous permettons, je vais faire une courte histoire sur le dossier ça. Donc, Jeff, dans le côté de l'État, a eu un problème avec Moun. Donc, Moun, ça a servi avec deux amis Jeff pour le faire amis ça a mené Jeff sous terrain de fiancé. C'est pour ça qu'en date 26 février, deux amis ça a été invité si Jeff pour aller passer avec lui pour aller manger mon go. Et puis c'est là, assassinat déjà arrivé, monsieur arrivé, assassinat a agi mon chat sous. Donc, on a profité de ce passage pour nous faire un petit conseil by tout jeune. Donc si vous groupe amis t'a invité au sortir, par prudence, nous conseillons, informez parents qui a bien pour sortir avec deux trois jeunes. Et là, on finit informer parents, même lorsque vous avez sorti avec jeunes, faites jeunes ça reconnaître, vous avez au moins informé les gens qui a sorti ensemble avec. En dernier lieu, dans la nuit du 13 au 14 mars, la police, accompagné de la justice, qui est intervenu à Jibilé, précisément à l'Ariel Bassa, au domicile du nommé Robinson, ainsi connu. Monsieur ça a recherché pour plusieurs infractions telles que braquage, assassinat et tentative d'assassinat. Donc il y a un dossier qui est en cours devant le tribunal de première instance et précisément le cabinet d'instruction et le tribunal de première instance Gonaïve. Donc au cours de l'opération ça, nous avons deux policiers qui malheureusement blessés par balle et un autre qui blessé gravement. Donc la police réussit à saisir un fusil ou guerre de calibre 223, un chargeur et 13 cartouches. Donc, on a profité de l'espace encore pour nous dire, ces derniers temps, au niveau ville Gonaïve, des individus mal intentionnés amusés à brûler de paisibles citoyens sous téléphone pour dire qu'ils ont recevoir de fortes sommes d'argent pour qu'ils ont assassiné. Que seul moyen pour éviter ça, c'est à jouer avec eux pour acheter vivre. Donc, on a voulu dire, monsieur Sao, que la police est informée et la police a travaillé pour qu'arriver sur eux. Et dans des populations, à travers la population gonaïvienne, surtout à travers le numéro Sao, une fois que vous avez recevoir appel ça, pas hésiter une seconde et former la police. Numéro téléphonique c'est 43 02 41 81 38 22 44 44 et au cas où petit texte par WhatsApp tout sur 33 30 74 43. Et n'appelons ce message pour tout le monde. Et que la police a été attachée à missionner qui s'est servi de protéger la population. Donc, en aucune façon, il n'est pas plus substitué par aucune groupuscule armée. Il entend accomplir mission avec dévouement, professionnalisme et détermination et sans état d'abri. Ma connais trois personnes qui sont mortes, des gens qui sont blessés. Donc, c'est ça qui a circulé à travers l'information. Bon, c'est Jean Doula. Donc, c'est à travers les réseaux sociaux que moi-même ma connais une nouvelle là, même j'ai avoué. Ils ont nous récupérer, c'est pas de la ou bien comment on peut récupérer?
normalement, la police arrivait sur les lieux, comme dit ça, il y a un pile échange. Donc, on ne connaît pas si c'est dans la fuite, monsieur, à point. Donc, il y a un carabin à matin pour le coup, il y a un pile échange. Dans le moment opération, opération qui est faite très tôt matin, hein, aux environs de 3h du matin. Et Robinson, on a mis quelqu'un pour la fuite? Certainement, il prend la fuite, parce qu'il était dans l'échange. Parce que l'opération a été faite au niveau domicile. L'opération a été visée, capturer monsieur. Mais quelle est l'opération ça t'a fait? Bien sûr, c'est aux environs de 3h du matin. Nous disons sur les réseaux sociaux, nous apprenons que quelqu'un est mort. Et dans quel niveau l'enquête nous est pour confirmer ça? Donc, l'enquête n'a pas avancé. T'es déjà une enquête qui est ouverte. L'enquête l'a poussé, il faut nous capables de déterminer ça. Donc, il faut nous dire que l'opération a été menée exactement dans le jubilé au niveau de l'Ariel Bassa, côté que nommé Robinson domicilié. Déclaration inspecteur Max Sepoy qui t'a parlé dans micro collaborateur non Josué Jean-Baptiste qui c'est correspondant Radio Kiskeya dans Gonaïve porte-parole PNH là dans la Tibonite qui pas confirmé de trois monde qui mouri dans cadre opération qui mené dans la nuit vendredi pour le samedi à contrairement avec information qui a circulé dans sens ça porte-parole a dit c'est seulement deux policiers qui blessés dans opération ça une opération était menée la police là t'es mené pour te essayer prendre un certain Robinson et la police saisit une arme calibre 223 un chargeur qui était gagné 13 cartouches la donne. Bien conseil en direction l'école normale supérieure ENS qui dénonce agent unité spécialisée dans garde palais national USJPN qui a cagoule en tête yo été encerclé local institution qui c'est une entité dans université l'état tiré dans route monde voyez gaz lacrymogène et puis blessé pour pipiti un professeur à qui un étudiant professeur Bérand Senatus qui c'est membre conseil direction ENS rappelé c'est pas première fois agent USJPN commet Zach Malonet ça yo professeur Senatus dans notre conseil direction l'école normale supérieure une entité université l'état UEH déclaré agissement sa yo capable déboucher n'importe qui l'est sur une situation côté policier sa yo qui n'a pas le national et elle souffre en pile monde dans espace université a n'a côté professeur Bérand Senatus dans micro Vladimir Maurice Ridoré. Yeah, c'est-à-dire que nous avons cinq l'école là, pour tomber tiré à hauteur d'homme, donc ça dit que monde a mouru. Alors nous avons plus la note, c'est la deuxième fois ça, au moins ça fait. Parce que 20 novembre, nous avons fait l'autre note encore, qui ce qui a été dit d'ailleurs, côté nous avons tiré sur l'école là à hauteur d'homme, que nous avons protesté énergiquement comme ça. Nous avons demandé pour engager des poursuites jusqu'à présent, pas de réponse quoi. Et il y a récidivé quoi. Et nous estimons qu'il fait lui parce que nous avons eu un sentiment, il y a eu une impunité. Et que nous avons pas de l'école normale, c'est ça la tout pays. Et donc, nous parlons, c'est pas en protestation, c'est pas une énième protestation, c'est attirer l'attention de la population qui menace, qui parle sous pays. Et que si ben, ça passe stoppé, on a tourné la période du valier. C'est ça, on voulait. Le volonté de la situation, c'est pour le peuple à ramasser les caractères, pour le capable de faire ce n'est pas inadmissible, inacceptable, à tirer sur le monde. Et le monde a mouru, pas rien qu'à justifier ça. Par exemple, c'est dans l'école là, pas de monde qui décolle avant l'école, pas de monde qui était armé en face. Donc, il est absolument disproportionné et que c'est ça. T'as passé l'ancien des quartiers populaires, t'as passé là. Donc, on ne sait pas qu'on parle un côté sécurité capable de faire l'autre côté à protéger, non. Ça dit tout le monde menacé. Donc, l'origine, l'on est, et bagaille, ça reprise. Moi, son façon pour nous intérioriser, accepter un série de bagailles. C'est ce que la voie, il commençait là. Il commençait dans le refus, dans l'acceptation des bagailles, t'as passé, et disposition pour nous prendre, avec tête, nous, avec l'autre monde, pour bagailles, ça camper. Il était fait le 20 novembre. Il était en cagoulé. Donc, il me pensait, il sentait la caillou, il courait, qu'on forme. Il a dit, il va pas faire comme ça. D'abord, il y a armé face à des mouns qui désarment. Qui est-ce qui va au l'ordre faire barrer ça? Ou bien qui moun, qui même si on pas de l'ordre formel, qui connaît tous les rêves, et qui s'est fait façon barrer comme ça. Est-ce qu'au niveau de l'école normale supérieure, on a déjà fait des marches pour que le juge de paix nous fasse constat? Oui, tout bah, constat fait. Évaluation, c'est qui ça? Évaluation, il y a une dégâts considérable qui viennent dedans. Pour le moment, pas de mots, qu'on peut se faire frapper, blessé. Ou yo cri de machine balle et yo l'hôpital après c'est gagne l'autre que on a proposé que bourradé et puis gagne un même personnel qui était sans ménagement quoi et c'est ça lié donc son mépris total absolu de mon professeur étudiant personnel son mépris total et absolu qui position rectorat gagne par rapport à ça qui passe à l'école normale supérieure c'est une entité dans l'UH non mais il est informé donc il me passe rectorat il a fait ça pour le faire il me connaît il est informé donc il a pas de réaction non puis au niveau de l'état comment ça
travaillé. La plus haut niveau d'État, je connais que ça pas mis qui la plus haut niveau de l'État, m'a parlé de l'UHPN, puisque il était censé assurer sécurité par les présidentielles. Donc c'est parce que senti au courant, au bien branché, au grand que comme à l'aise alors. Je ne pas qu'on est même, bon, de toute façon, il y a des démarches qu'il ne pas faire. Bon, le plus souvent, ben, ça l'a fait, il est formel, il a été réunion, il n'y a pas de suite. Il y a eu pas même enquête, tout ben, ça, tout ben, ça, bon, ben, il y a fait pour la forme. Mais je ne pas quoi, c'est ça qui est la solution. Hein. Solution, c'est pour le politique, ça qu'on nous fait appel à la mobilisation. Ben, c'est pour mon yoga, c'est yo, pour sentir ça d'être passé là, on prend, il n'y a pas qu'à continuer. Je ne pas qu'à des consignes, pas qu'à dire faire ABC, c'est pas ça, lui. Mais je dis, moi, c'est attirer l'attention de son mouille, son danger, là. C'est pas seulement kidnapping, c'est pas seulement disparition, et c'est son menace multiforme qui vient déstabiliser tout le pays à tous côtés. Mais nous connaissons peu importe unité dans la police là, lui doit couper en bas principe qui régit fonctionnement la police là. Est-ce que nous comptons porter plainte dans l'inspection générale pour ça qui passe? Oui, oui, l'a fait, nous comptons prendre peine de déposer des actes par ensuite. Il y a là, comme il y a des particuliers qui étaient menacés, ben, il est capable de faire porter la titre privée. C'est même une espèce de conseil. Gon si qui poursuivent la quantité qu'il a eu à cela, quoi. Si au moins deuxième fois ça passait dans l'école là, il fait 20 novembre, que 3 mois après, il est passé, encore, et bien ça l'a fini ben, par des drames, par mort d'homme, et bien ça, faut éviter. Autorité qui est dans le pays de fait qu'il a, qu'on y est là, tout ça qui prend le passé, qui prend le dramatique pour personnel étudiant, professeur, il y a responsable, il y a annoncé à responsable. Il faut assumer ça qui arrive. Nous avons compté une déclaration professeur Béra Senatus, qui est membre du conseil de direction École normale supérieure, yon entité dans l'université de l'État, qui a réagi sur incident gravement grave ça, qui est passé hier après-midi dans l'école normale supérieure, côté agent USGPN, yon entité dans la police là, qui a assuré sécurité dans le palais national, qui a tiré dans l'hôtel Moulin, sur le cas de l'université, dans le moment où il y a un incident justement, il y a un petit professeur avec yon étudiant qui blessé dans l'incident ça. Nous gagnons justement sous yeux nous une note protestation l'école normale supérieure une entité dans l'université d'État qui sorti en date 14 mars 2020 qui porte signature Béran Senatus qui est membre conseil direction Alvarez Louis avec Diosel Pridelus qui au même tout c'est membre conseil direction université Douest en l'école normale supérieure. Vendredi 13 mars 2021, bon 4h après-midi, agent qui était dans le cargo en tête yo et qui n'a unité sécurité générale par les nationales, USJPN, il était encerclé local l'école normale supérieure, ENS, et il était tiré dans l'autre monde pendant qu'il a lancé bonbon gaz lacrymogène dans toute direction. En dans l'école normale supérieure, d'après notre protestation, ça, y a pas besoin qu'on ait, si ça a fait, t'es capable de causer un moment qui était dans l'espace là, toujours d'après notre là. Ça a répété, et ça fait de manière brutale, et ça fait de manière violente tout, et ça t'est fait déjà, dans le jour qui était 20 novembre 2019 là, et direction l'école normale supérieure, t'es indigné, et t'es protesté, le ça t'est passé. Lorsque tu es gagné, agent USGPN qui était déjà attaqué et local la faculté ça dans l'université de l'État d'Haïti d'après notre protestation ça yo connaît que yo pas gagné monde qui ca mourir donc yo gagné totale impunité toujours d'après notre là agent ça yo te martyrisé des professeurs parmi eux-mêmes qui prend coup de coffre fusil yo te obligé mener à l'hôpital machine professeur se voit en pile cartouche yo et une plate caoutchouc et machine professeur avec coup de couteau donc c'est bagaille grave que et l'école normale supérieure a rapporté qui était passé hier après-midi, gagné tout un membre personnel administratif là, et il était malmené lorsque il était gagné, il pas de gagné aucune altercation avec agent, dégâts matériels qui ont enregistré pendant, événement ça, dégâts matériels, yo en pile. Agissement ça, yo, personne ne peut admettre, yo, ni accepter, yo, ni justifier, yo, et selon ça, conseil de direction écrit qui dit je m'agaille passé là rappeler yo ça te grand fait sous dictati du valier sous tendez d'ailleurs et Béran Senatus qui t'a rappelé ça
dirigeants qui la jodi yo, est-ce que c'est nostalgie yo gen? Ces questions école normale supérieure a posé tête li. Est-ce que n'a continuer laisser yo faire ça y a fait sans un rien parfait? Insécurité qui a régné dans quartier populaire yo et yo trouvé au connia insécurité ça, les trouvé blahi dans l'école avec dans université yo devant péril ça qui menace nous toutes et nous toutes nous devons garder manger sans pas trembler, nous demander pour gagner solidarité avec mobilisation qui fait dans toute communauté universitaire et dans toute population. D'après notre ça, l'école normale supérieure, une entité dans l'université de l'État d'Haïti, mettez dehors, samedi 14 mars là, en bas signati, Bera Senatus, membre conseil de direction, Alvarez Louis, membre conseil de direction, avec Diosel Prédélus, qui c'est le même tout, membre conseil direction l'école normale supérieure qui n'a université l'État d'Haïti qui t'est parlé comme ça justement. L'autre point